m'appelle Linda Schmidt, je suis chef de projet chez IDECO Technologies. J'ai suivi une formation d'ingénieur avec une spécialité en génie climatique et énergétique à l'INSA à Strasbourg. J'ai souhaité être chef de projet pour avoir une vision de l'ensemble du projet, aussi bien sur toutes ses phases qui le composent, mais également sur l'ensemble des lots intervenants. Ça fait 2 ans que je suis chef de projet chez IDEC Hautes Technologies. IDEC Hautes Technologies m'accompagne et m'aide dans mon évolution professionnelle. Ce qui me plaît le plus chez IDEC Hautes Technologies, c'est la diversité des domaines d'activité, qui est aussi bien de l'hospitalier, de la pharma, du microélectronique. Et tout ça, ce sont des domaines qui sont constamment en évolution. Le projet MEARI est la construction d'une plateforme de médicaments à thérapie innovante qu'on a réalisée pour l'Université de Paris. Ces laboratoires sont destinés à des start-up dans le domaine de recherche dans le médicament. Le bâtiment MEARI se trouve au cœur de l'hôpital Saint-Louis à Paris. En 2016, IDEC Hautes Technologies a fait la première tranche des travaux d'aménagement des laboratoires pour le bâtiment MEARI. Et en 2022, IDEC Hautes Technologies a su convaincre à nouveau le client de l'accompagner dans l'aménagement des laboratoires au rez-de-chaussée du bâtiment MEARI. La plus grande difficulté sur le projet était de travailler en milieu contraint, c'est-à-dire travailler avec un hôpital en fonctionnement. Ça nous a demandé beaucoup d'organisation, de communication, d'écoute et d'adaptation sur le projet. Le moment le plus marquant sur le chantier était la livraison des équipements techniques qu'on a dû positionner sur la toiture. Nous avons dû faire rentrer une grue au sein de l'hôpital en fonctionnement et tout ça en gérant aussi bien le flux du public, les flux logistiques de l'hôpital et tenir compte des contraintes d'un bâtiment historique. Le rôle du chef de projet est de coordonner les études de tous les lots et également de faire la relation avec le client pour recueillir ses données, ses contraintes de la phase conception à la réalisation du projet. Une fois les études terminées, nous passons donc en phase chantier. On fait une revue de projet avec l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes d'études et les équipes travaux. À partir de là, le conducteur travaux devient l'interlocuteur principal pour les entreprises et c'est lui qui s'occupe donc de la coordination du chantier. Bonjour, moi je suis Badra Aliou Koulibaly, je suis conducteur de travaux chez IDEC Hautes Technologies. Je suis actuellement sur l'opération de l'hôpital Saint-Louis Mairie en tant que conducteur de travaux. En termes de parcours, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu à l'INSERM, aujourd'hui appelé INSA Hauts-de-France, en énergie. Et par la suite, j'ai commencé à travailler en tant que pilote sur des opérations de chantier. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde des travaux. Alors mon rôle en tant que conducteur de travaux sur l'opération de l'hôpital Saint-Louis, c'est vraiment de gérer au quotidien nos partenaires entreprises sur chantier. Je suis leur interlocuteur principal. Le dossier, je le prends dès la phase étude d'exécution. En fait, je participe à l'élaboration des visas avec notamment sur ce projet-là avec la chef de projet Linda pour m'imprégner vraiment du projet. Et dès la phase étude d'exécution terminée, je prends le dossier, je commence à faire toute la partie planification avec les entreprises, coordonner les entreprises quotidiennement sur le chantier et aussi être aussi l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage concernant tous les aspects administratifs, financiers et puis techniques tout au long du chantier. Il est très important d'avoir cette cohésion entre chef de projet et conducteur de travaux. C'est ce genre de projet qu'on fait notamment chez IDEC Hautes Technologies. Le chef de projet a notamment l'historique de la phase conception. On doit être capable, de transmettre l'information, toutes les informations clés, notamment au conducteur de travaux, pour qu'il puisse pouvoir bien mener le chantier. Et le conducteur aussi en fin chantier, notamment sur des aspects techniques
qui touche la conception doit être capable de revenir solliciter en tout cas le conducteur de travaux afin de débloquer des situations d'ordre technique qui touchent la conception. C'est ce qu'on a fait sous l'opération de l'hôpital Saint-Louis Mairie et qui nous a bien aidé pour débloquer des situations et mener très bien l'avancement du chantier.